Bienvenue sur Téléfestival, photocall de Memoria, Dapi Chakpong, Werasethakul. Le cinéaste thaïlandais revient sur la croisette. Après sa palme hein, pour l'oncle Boumni, il est là, Dapi Chakpong, Werasethakul, avec une chemise bariolée à ses côtés, la merveilleuse Tilda Swinton, Jeanne Balibar également, Juan Pablo Urrego, juste à côté de Jeanne Balibar que vous allez apercevoir là, à droite. Et Elkim Diaz qui est à gauche de l'écran. Voilà, c'est le retour hein, du cinéaste thaïlandais. Pour notre plus grande joie d'ailleurs. Une plongée hein, sensorielle et fantastique avec Dapi Chakpong. C'est ce qui vous attend en découvrant ce film Memoria. Voilà le cinéaste entouré par Jeanne Balibar et Tilda Swinton. Jeanne Balibar, on se souvient d'elle formidable en Barbara, qui était présentée en ouverture d'Un certain regard. C'était en 2017, un film réalisé par Mathieu Amalric, qui lui a valu le César de la meilleure actrice en 2018. Et voilà, Dapi Chakpong, Werasethakul, on le disait, un palme d'or en 2010 pour l'oncle Boumni. Et pour la petite histoire, hein, ça fait vraiment 19 ans que Tilda Swinton et le réalisateur rêvaient de travailler ensemble. Eh bien, c'est chose faite. Dapi Chakpong, qui a une histoire avec le Festival de Cannes. Palme d'or, donc, en 2010, pour l'oncle Boumni, celui qui se souvient de ses vies antérieures. C'est Tim Burton hein, qui était le président du jury cette année-là. Il est revenu également en 2015, à Un certain regard, avec Kranti Konkain. Et Tilda Swinton. Tilda Swinton, qui est cette année très présente hein, au Festival de Cannes, évidemment en compétition pour Memoria, Dapi Chakpong, Werasethakul, mais aussi à l'affiche d'un autre film en compétition, The French Dispatch hein, de Wes Anderson. Elle est également à l'affiche de The Souvenir de Johanna Hogg, qui est présentée à la quinzaine des réalisateurs. Et la première fois qu'elle était là, Tilda, au Festival de Cannes, c'était en 1987, dans Aria de Jean-Luc Godard. Véritable histoire hein, pour cette actrice qui tourne avec les plus grands. Jim Jarmusch, Wes Anderson. Évidemment, Dapi Chakpong, Werasethakul. Alors que Jeanne Balibar arrive devant les photocalls. Alors Jeanne Balibar, qui a aussi une histoire hein, particulière avec le réalisateur Dapi Chakpong, Werasethakul. Ils étaient tous les deux membres du jury Sean Penn ici à Cannes. C'était en 2018. En 2008, pardon. Et ils ont eu un coup de foudre artistique. Et ils s'étaient dit qu'ils travailleraient ensemble. Eh bien, un peu plus de 10 ans après, c'est chose faite pour ce film Memoria.
qui est présenté en compétition officielle. Donc peut-être une deuxième palme d'or pour le réalisateur thaïlandais. Réalisateur très discret. Jeanne Balibar. Sublime Jeanne Balibar. On le rappelle, un César de la meilleure actrice pour Barbara, le film que Mathieu Amalric avait réalisé pour elle. Jeanne Balibar, la première fois qu'elle était à Cannes, c'était en 96, pour Comment je me suis disputé ma vie sexuelle d'Arnaud Desplechin. Voilà, Elkin Diaz qui prend la pose devant les photographes. Voilà un acteur colombien qui vient pour la première fois sur la croisette. On rappelle que le film se déroule à Bogota, la capitale de la Colombie, dans lequel le personnage de Tilda Swinton est obsédé par un bruit de déflagration, un bruit qui revient encore et toujours dans sa tête. Elkin Diaz, donc c'est la première fois à Cannes. Alors que là, Juan Pablo Urrego, également première venue à Cannes pour cet acteur. Au casting de Memoria d'Apichatpong Weerasethakul, réalisateur thaïlandais. Réalisateur palmé pour son oncle Bumni, c'était il y a un peu plus de 10 ans. On se souvient de ce film qui était déjà un voyage extraordinaire dans son univers. Voyage onirique, sensoriel. C'est toujours ce qu'on vit avec le réalisateur thaïlandais. Et casting international. Voilà, c'était le photocall du film Memoria, film présenté en compétition officielle cette année.